dans l'aide à domicile. Et à travers mon métier, je vois beaucoup de gens qui sont dans la précarité. Donc on nous dit souvent, on sort beaucoup de discours par rapport aux personnes âgées, où il faut maintenir les gens chez eux, et on en est très loin de ces grandes paroles. Il y a quand même des gens qui, effectivement, qui vivent avec le minimum vieillesse et qui n'ont pas les moyens forcément d'avoir beaucoup d'aide. Ce n'est pas forcément des gens qui sont handicapés, ou voilà, c'est des personnes vieillissantes qui ont énormément besoin de nous. Et c'est pas simple pour eux. Ce que je rencontre dans ma situation professionnelle, c'est que pour pouvoir maintenir les personnes âgées à domicile, il faut pouvoir leur aménager leur logement. Il y a des aides qui ont été attribuées et il y a une diminution de ces aides. Donc ce qui ne permet pas aux gens de pouvoir adapter leur logement par rapport à leur handicap. Voilà. Et je pense que là-dessus, je me bats énormément pour aider ces gens à monter des dossiers qui ne sont pas simples, qui sont très compliqués. Et nous, sur la Savoie, les conseillers départementaux ne font aucune permanence, ne sont pas présents. Et ça, c'est un gros problème pour ces personnes. Je participe à ce 37e congrès pour surtout une chose, c'est le rassemblement. Voilà, c'est pouvoir changer notre société actuelle dans laquelle on vit, qui devient très très dure. Énormément de gens, surtout dans ma tranche d'âge, ça devient très compliqué. Donc je souhaiterais qu'on arrive à un rassemblement de gauche et que ça devienne très très important actuellement.